par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force. Alléluia. 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 Добрый день всем нам. Bonjour à tout et chacun. Бог благословит нас каждого. Que le Seigneur nous bénisse, qui bénisse chacun d'entre nous. Мы на хорошем месте. Nous sommes au bon endroit. Если бы не сказать на правильном месте. Vous n'avez pas dit que nous sommes dans un endroit juste. И мы будем начинать наше собрание сегодня. Et nous allons commencer notre culte aujourd'hui. Я прошу вас, если можем встать, это будет хорошо. Давайте встанем все вместе. Si on peut se mettre debout, s'il vous plaît, ça serait une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Бог благ. Dieu est bon. И он с нами. Et il est avec nous. И Псалом 49. Le psaume 50. Стих 23. Le verset 23. Написано: кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Qui offre pour sacrifice me glorifie. В этом стихе я понимаю так, что можно принести в жертву разные вещи. Но тут уточняется, что кто приносит именно хвалу в жертву. Ici, il est écrit que dans ce passage, je comprends qu'on peut apporter beaucoup de sacrifices, mais ici, il est écrit celui qui apporte, qui offre en sacrifice des actions de grâce. Тот чтит меня. Celui-là me glorifie. Насколько важно, чтобы мы чтили Господа. Il est tellement important que nous glorifions Dieu. Потому что Библия говорит, что он достоин, чтобы чтили его. Parce que la Bible déclare qu'il mérite qu'on puisse l'honorer, le glorifier. И я хочу напомнить тебя, j'aimerais te rappeler, что для того, чтобы принести Богу в жертву хвалу, тебе ничего не нужно материально. Offrir un sacrifice d'action de grâce à Dieu, tu n'as absolument besoin de rien de matériel. Moi, j'ai envie de говорить, что Бог говорит, чтобы принести мне в жертву животные, там разные вещи, приносили Богу в жертву. On pourrait dire que Dieu pouvait dire que apportez-moi en sacrifice les animaux ou bien différentes choses. И это правда, люди приносили. Et c'est vrai parce que les gens apportaient, offraient en sacrifice. Но Бог говорит о почтении и связывает это почтение также с хвалою. Dieu parle de l'honneur, de le glorifier avec les actions. Потому что когда мы говорим о хвале, quand nous parlons des actions, ничего не нужно. On n'a pas besoin d'apporter quelque chose matériellement. Хвала. L'adoration говорит просто о твоем сердце. Parle de ton cœur. Для хвали тебе просто нужно твое сердце. Pour l'adoration, tu as besoin juste de ton cœur. И все. Et c'est tout. Поэтому. Voilà pourquoi. Моя молитва. Ma prière aujourd'hui. Чтобы и ты и я. Que toi et moi. Сегодня. Aujourd'hui. Мы могли принести Богу жертву. Nous puissions offrir un sacrifice à Dieu. Et qu'est-ce que nous pouvons offrir maintenant en sacrifice à Dieu? Nous pouvons offrir notre adoration. Tu ne peux pas offrir mon adoration. Je ne peux pas non plus offrir ton adoration. Non. Каждый может принести ту хвалу, от которой его сердце радуется. Et chacun peut apporter en sacrifice l'adoration qui émerveille son cœur. Знаете? Vous saviez? Иногда бывало так. Parfois il arrivait que. Какое-то воскресенье, допустим, я пошел в другую церковь. Un dimanche, je suis passé dans une autre église, par exemple. Я мог передавать мои десятины, пожертвования кому-то, пожалуйста, я не буду на собрание, но отдай мои, то есть, как сказать, положи мои деньги
Alors quand je vais un dimanche dans une autre église, je transmets ma dîme à un frère pour dire que comme je ne serai pas à l'église, mets pour moi dans le panier d'offrande et de sacrifice. Donc, et ta gerte, va? Et ta maillot gerte, va? C'est mon sacrifice. Non, il y a beaucoup de pages sur Atnissi. Je peux dire, bon, prends ce que tu as à bord pour moi. Dieu sait que c'est pour moi. Amen. Amen. Bien que je ne serai pas là-bas physiquement, je suis presque. Dieu sait que c'est pour presque. Mais l'adoration, je ne peux pas demander à quelqu'un de le faire à ma place. Je ne peux pas demander à quelqu'un de le faire à ma place. Je ne peux pas dire à quelqu'un, glorifie Dieu ou bien adore Dieu à ma place. L'adoration, c'est ce qui est personnel. C'est personnel. Voilà pourquoi je veux t'encourager. Je veux te fortifier. Que toi, que moi, que nous offrons à Dieu, chacun, une adoration. Apporte un sacrifice d'adoration à Dieu. Amen. Amen. Tu es où je, tu es déjà sur place. Tu es au bon endroit. Tu as tout pour cela. Amen. Amen. Nous allons prier. Hallelujah, Gaspar Bog. Hallelujah, Seigneur Dieu. Blagadarim tibia. Nous te remercions. Blagadarim za tvoyo prisutstvie sredi nas. Nous te remercions pour ta présence parmi nous. Blagadarim za etot prekrasny den. Nous te remercions pour ce jour merveilleux. Oh Gaspar Tizies. Oh Seigneur, tu es parmi nous. Za tvoyo zhivotvoryashche slovo. Pour ta parole qui vivifie. My blagadarim za zhiznyu, kotoryu my imeyem v tebe. Nous te remercions pour la vie que nous avons. My blagadarim Gaspar za blagadat tvoyo. Nous te remercions pour ta grâce. Blagadat you my spasini. Nous sommes sauvés par la grâce. Gaspar my Благодарим за церковь твою. Te remercions pour ton église. Которую врата ада не одолеют. Les portes de ce jour de la mort ne Мы благодарим друг за друга. Nous te remercions pour les uns et les autres. Мы благословляем друг друга. Nous bénissons les uns et les autres. Мы благословляем Божий наш город. Nous bénissons notre ville. Мы благословляем Божий эту провинцию. Nous bénissons cette province. Мы провозглашаем господство Иисуса Христа. Nous déclarons la seigneurie de Jésus-Christ. Мы говорим Иисус ты Господь. Nous disons que Jésus est Seigneur. В нашей жизни. Dans notre vie. В наших судьбах. Dans nos, в наших домах. Dans nos maisons. В нашей церкви. Dans notre église. В наших служениях. Dans nos ministères. Боже везде. Seigneur partout. Ты Господь. Tu es Seigneur. И в этот день, Господь, et en ce jour, мы хотим принести тебе жертву. Nous voulons t'offrir notre мы хотим принести тебе жертву. Nous voulons t'offrir notre жертву хвали. Le sacrifice d'adoration. Прославляющих имя твое. Et celui qui honore à О, Господь Бог. О, Seigneur, мы хотим принести тебе жертву хвали. Nous voulons t'offrir un sacrifice. И самое важное, и самое интересное, каждый из нас имеет за что принести Богу хвалу. Он имеет за что благодарить. Потому что Господь Бог, дыхание, которое мы имеем, не мы являемся хозяевами, Господь, от Тебя. Даже ради дыхания мы уже можем принести хвалу Тебе. О, спасибо Тебе, Господи Боже. Столько всего Ты делаешь в нашей жизни. То, что мы замечаем и видим. И то, о чем мы узнаем только на небесах. Господь, за все мы благодарим Тебя. И мы благословляем это собрание сегодня. Мы благословляем Божье служение детям. Благословляем Божье все служения, Господь, сегодня. Благословляем Божье наше группе прославления. Благословляем их, Господь, и молимся, чтобы Ты, Бог, через них, Господь, Ты мог просто излить свое присутствие. Господь, Бог, чтобы они, как ратоборцы Божьи, могли пробить путь, чтобы мы могли вместе прославить Тебя. О, Господь, oui, Боже, спасибо Тебе. Seigneur, Дух Святой, Дух Святой, мы просим Тебя. Ты подобно стенорушитель, разрушь всякие преграды, которые помешают нам прославить Бога. Que tu puisses détruire tout ce qui nous empêche à adorer Dieu. Господь Бог, если это внутри нас, Seigneur, если это какие-то проблемы, si problems, какое-то настроение, si что бы это ни было, importe, как бы это ни называлось, importe, Дух Святой, Esprit Дух Святой, мы просим Тебя, Дух Святой, мы просим, чтобы она была разрушена именем Иисуса Христа, чтобы нам быть способными воздать Богу настоящую славу, настоящую хвалу.
спасибо тебе, Господь. Превозносим тебя. Превозносим твое благое имя. Аллилуйя. 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 Аминь. Аминь. Итак, дорогие, у тебя есть возможность лично принести хвалу Богу. D'offrir le sacrifice d'adoration. Пусть Бог благословит нас. Que le Seigneur nous bénisse. Господь, мы благодарим тебя. Oui, Seigneur, nous te remercions. За твое присутствие среди нас. Pour ta présence parmi nous. Мы поем хвалу имени твоему. Nous chantons l'adoration à ton nom. Qui велик. Tu es grand. И ты достоин. Et tu mérites. Всей славы. Toute la gloire. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. За твое прикосновение. Pour ta touche. Спасибо, что ты касаешься каждого на этом месте. Nous te remercions parce que tu touches chacun dans cet endroit. Спасибо, Господь, что ты наполняешь наши сердца радостью. Merci, Seigneur, que tu remplis nos cœurs par ta joie. Ты наполняешь нас миром. Tu nous remplis de ta paix. О, Господь. О, Seigneur. Я молюсь о твоем народе. Je prie pour ton peuple. Я молюсь за себя. Je prie pour moi. Я молюсь за тех, которые онлайн с нами сейчас. Je prie pour ceux qui nous regardent en ligne. И за тех, которые потом будут смотреть. Et pour ceux qui regarderont par la suite. Я прошу. Je te demande. Пусть твое слово. Que ta parole. Оживит нас. Puisse nous vivifier. Пусть твое слово. Que ta parole. Строит нас. Puisse nous bâtir. Пусть твое слово. Que ta parole. Ведет нас. Puisse nous conduire. И пусть приходит Господь обновление в разуме. Обновление в разуме. Господь Бог, мы Твоя церковь. Мы Твоя церковь. Мы ожидаем. Мы ожидаем Твое Слово. Мы ожидаем Твое Слово, Господь. Спасибо Тебе. Nous te remercions. Прославляем Тебя. Nous te glorifions. Прославляем имя Твое. Nous glorifions ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Прославляем имя Твое. Спасибо. Господь вас благословит. Alléluia. Пожалуйста, присаживайтесь. Пожалуйста, есть много мест, поэтому, пожалуйста, я хочу, чтобы и даже в коридоре, те, которые в коридоре, пожалуйста, заходите, есть места в зале. Il y a la place dans la salle, ceux qui sont dans le corridor, nous vous demandons de rentrer, s'il vous plaît. Слава Богу. Gloire à Dieu. И рад вас приветствовать. Je suis très content de vous saluer. Et là, c'est le premier virage, mais je vous prie. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, nous vous saluons également. Oui, radi, je te vois monter but si vous n'êtes pas là. Nous sommes très contents que vous pouvez être aujourd'hui. Nous blagons salam nashik ditiy. Nous bénissons nos enfants. Na sluje neva imia Isusa Christa. Pour les codier au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Et je vais vous donner cette время. Pour ne pas continuer, prendre le temps. Я хочу просто представить нашего гостя сегодня. J'aimerais juste présenter notre invité aujourd'hui. Это пастор Иван Стабили. C'est le pasteur Yvon Stabili. Знаете, наша церковь, мы входим в объединение. Vous savez, notre église fait partie d'une assemblée. Международная ассамблея Бога. L'assemblée de Dieu indépendante internationale du Canada. И пастор Иван Стабили является главным помощником так сказать, старшего лидера или руководителя, так скажем. Le pasteur Yvon Stabili est l'assistant du secrétaire général de notre assemblée. И для нас это честь, я знаю, pour что nous, c'est un honneur. Чтобы у него было время, просто это очень сложно. Je sais que c'est difficile pour lui de trouver un temps. Но слава Богу. Mais gloire à Dieu. Когда мы приглашаем его, он старается, он говорит, я для вас постараюсь найти это время. Il fait tout, il dit pour vous, je ferai tout pour avoir un temps pour venir. И сегодня он с нами здесь. Il est aujourd'hui avec nous. Он пастор здесь в Лачине. Il est le pasteur ici à la Chine. Его церковь, где он является пастором, находится недалеко отсюда, где-то минут, пешком где-то минут 10. C'est pas loin d'ici, c'est à peu près 10 minutes d'ici. И хорошая церковь. C'est une très bonne église. И он является одним из моих наставников. C'est un de mes pères spirituels.
Когда мне трудности, quand j'ai de la difficulté, проблемы, j'ai des problèmes, нужны советы, j'ai besoin de conseils, я есть кому я иду. Так. Et c'est celui que я также иду к нему. Et je vais и мне нравится то, что у него всегда есть время для меня. Et j'aime parce qu'il a toujours le temps. Ни разу не было так, что я попросил, и он говорит, я занят. Он говорит, все, я найду время. Когда тебе удобно. Он говорит, когда мне удобно. Ну, je n'ai jamais demandé, il dit qu'il n'a pas le temps. Il dit, non, je vais trouver le temps. Dis-moi quand est-ce bon поэтому pour toi. Для меня это большую честь. Voilà, pour moi, c'est un grand honneur qui peut нous servir aujourd'hui. Для того, для тех, которые новые, впрочем, причем, как мы тут собираемся, они тут раньше собирались. Et pour церковь. Ceux qui sont de nouveau dans l'église, dans cette église-là, c'est eux qui se réunissaient ici avant nous. Потом они купили свое здание. Après, ils ont acheté leur bâtisse, и они пустили нас сюда. Et nous sommes venus maintenant ici. Amen. Amen. Поэтому, sans plus tarder, пастор Иван, je vais vous inviter. Дайте Богу славу за него, пожалуйста. Acclamons le Seigneur pour lui. Amen. Amen. Bon matin, Юля, ты можешь воду поставить? Доброе утро всем. Merci au pasteur Prisk pour l'invitation. Спасибо, пастор Прис, что за приглашение. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Я рад быть с вами. Puis effectivement, on s'est réunis ici pendant 30 ans. Это правда, мы тут собирались в течение 30 лет в этом здании. 30 ans ici. 30 лет здесь. Moi, je m'assois en avant là. Я всегда садился здесь впереди. Gloire à Jésus. Jesus. Donc, je suis content de voir que ça continue d'être un endroit pour louer Dieu. Я рад видеть, что это место продолжает быть местом, где славят Бога. Amen. J'amène aussi les salutations du secrétaire général des Assemblées de Dieu pour я vous. Я также вам передаю большое приветствие генерального секретаря Ассамблеи Бога, Международной Ассамблеи Бога Канады. Les salutations de mon Assemblée aussi. Также от моей церкви передаю большое привет. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Слава Иисусу. Je pense que c'est la première fois depuis la pandémie que je viens ici. Hein? Non, une fois vous étiez ici déjà. Oui? En ligne? Non. Physiquement. Physique ici, ok. Ça a été quelque chose, hein, cette pandémie-là? Эта пандемия, это было очень сложно. J'ai dû intervenir dans beaucoup d'églises. Мне пришлось поступить во многих церквях. Parce que ça a amené beaucoup de problèmes. Потому что из-за пандемии возникали много проблем в церквях. Beaucoup de divisions. Много разделений. Pro-vaccin. Те, которые за вакцина. Anti-vaccin. Те, которые против. Pro-masque, anti-masque. Кто за маску, кто против маски. Ça a amené beaucoup de distractions dans l'église. И это привело много развлечений просто в церкви. Et encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de distractions qui s'élèvent autour et de l'église. Et даже в наших дни сейчас есть также много еще таких развлечений, которые в церкви есть. Il y a des sujets qui restent toujours sensibles. Есть, конечно, некоторые темы, которые они такие очень чувствительные. La COVID en était un. И COVID это одна из таких тем. La guerre en est un autre. Et война также другая тема такая. Et je sais qu'il y a beaucoup de vos familles qui sont éprouvées. Я знаю, что многие из ваших семей они пострадали. Mais soyez assurés que on se tient en prière pour. Знаете, что мы стоим в молитве. Pour les frères et les sœurs qui sont là-bas. За братьев и сестер, которые там. Okay. C'est très important de le faire. Это очень важно это делать. En même temps. Вместе с тем. Comme il y en a qui savent que la Bible nous enseigne qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Сколько из вас понимает, что Библия учит нас, что мы не сражаемся против плоти и крови? Mais contre les puissances des ténèbres. Но также мы сражаемся против поднебесье, против мироправителей тьмы и века этого. Et souvent, c'est là que la distraction vient. И очень часто именно вот здесь приходит развлечение. Parce que comme enfant de Dieu. Развлечение. Развлекаться. Дистракция. Дистракция. Это развлекаться. Да, c'est bon. Donc, comme c'est enfant bon, de Dieu, как дети Божьи, il y a un focus qu'on doit garder. Мы должны держать фокус. C'est la volonté de Dieu. Это воля Божья. Qu'est-ce que la Bible dit? Что Библия говорит? Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Что у Бога есть для меня? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Что Бог хочет, чтобы я делал? Et quand on est là, et когда мы здесь, Dieu agit. Бог действует. Okay? Donc, je veux juste vous encourager à vous tenir sur la brèche. И я просто
répéter? Vous encouragez à tenir sur la brèche. Et à toujours garder les yeux sur le Seigneur. Parce que peu importe les circonstances, sa parole demeure la même. Sa parole ne change pas. Et ses promesses demeurent. И его обещания остаются. Amen. Amen. Et puis c'est un peu de ça qu'on va parler ce matin. Именно об этом сегодня будем говорить. Si vous permettez, j'aimerais faire un mot de prière avant de commencer. Если вы позволите, я хотел немножко помолиться. Père, merci pour le privilège que j'ai d'être ici ce matin. Отец, спасибо за привилегию, которую я имею здесь в это утро. Seigneur, que je sois un outil, un instrument dans ta main. Чтобы мне стать инструментом в твоих руках. Que ton Saint-Esprit inspire la parole ce matin. Чтобы твой дух святой вдохновил слово сегодня. Et que ce soit un message d'espoir et de vie. Чтобы это было слово надежды и жизни. Qui touche et qui transforme nos cœurs. Который касается и меняет наши сердца. Seigneur, je suis là disponible devant toi. Сегодня я здесь готов перед тобой. Fais ce que tu as à faire ce matin. Сделай то, что ты хочешь делать в это утро. Et que ta volonté soit faite. И пусть воля твоя да будет. Et que ton peuple soit béni aujourd'hui. И чтобы твой народ был благословлен сегодня. Et que ton Saint-Esprit agisse. Чтобы твой дух святой он действовал. Et que la parole qui soit annoncée ce matin. Чтобы слово, которое сегодня будет, которое я принесу сегодня. Soit confirmé par les signes, les prodiges et les miracles. Она была подтверждена чудесами и знамениями. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Для славы имени Иисуса Христа. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Слава Иисусу. Le premier passage que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est un passage que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Первый стих, который я хотел, чтобы мы сегодня посмотрели, это тот стих, который Бог положил в мое сердце для вас. Ben, en fait, il l'a mis pour moi. Вообще-то, он положил для меня. Pour que je puisse amener quelque chose de particulier pour vous ce matin. Для того, чтобы я через это смог принести вам что-то особенное. Et c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. Это написано в 1 Фессалоникийцам, 3 главу. Стих 10. Donc, je vais lire en français en premier. Ça dit, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Pierre, Ephésiens 3, 10. « Ночь и день, все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере ваше. » Si vous prenez le temps de lire les chapitres avant. Если вы возьмете время прочитать главы, которые перед этим. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul fait même l'éloge de la foi de l'église de Thessalonique. Вы увидите, что апостол Павел он говорит с хорошей стороны о вере верующих в этой церкви. À quel point ils sont fidèles dans l'amour? Насколько они верны в любви? Dans la communion fraternelle. В общении. Et puis de persister dans l'enseignement qu'ils ont reçu. Mais voyez-vous une chose qu'il leur dit, dit par contre, je prie pour aller vers vous. Afin de compléter ce qui manque à votre foi. Malgré l'éloge de leur foi, il dit en même temps, il manque quelque chose à votre foi. Несмотря на то, что он говорит, что у них есть вера в предыдущих главах, он здесь говорит, что я хочу дополнить вашу веру. Et ce matin, c'est réellement ce que Dieu a mis dans mon cœur. И в это утро именно об этом Бог положил мне на сердце говорить с вами. De venir vers vous et de compléter ce qui manque à votre foi. Прийти к вам и дополнить то, что не достает вашей веры. Peut-être vous allez dire, oh, il est prétentieux. Вы скажете, о, какой гордый, hein, высокомерный. Oui, mais oui. Oui, oui, moi je suis прétentieux. Говорит, да, 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 я... Moi je prétends avoir l'Esprit de Dieu en moi. Я... Prétentieux, il y a как гордый, но я горд, что у меня есть Дух Божий внутри меня. Je prétends être loin pour prêcher l'Évangile. Я горд, что я помазан, чтобы проповедовать Евангелие. Parce que je connais celui qui m'a appelé. Потому что я знаю того, кто меня призвал. Puis Dieu connaît mon cœur pour vous. И Бог знает мое сердце по отношению к вам. C'est vrai que quand le pasteur Prisk m'appelle, je vais tout faire pour être là. Я это правда, что когда пастор Приск меня зовет приглашает, я все делаю для того, чтобы быть, когда он приглашает меня. Pourquoi? Почему? Parce que je vous aime. Потому что я люблю вас. À partir de la première journée où je vous ai vu. Начиная с первого дня, когда я вас увидел. J'ai des bons souvenirs de cette première rencontre-là. У меня до сих пор хорошие воспоминания об этой первой встрече. Puis, vous savez, on le témoigne souvent à l'église. Знаете, мы об этом часто свидетельствуем в нашей церкви. Parce que ça parle de ma folie.
Это потому что все начиналось с моего сумасшествия. Parce que ceux qui savent pas, потому что те, которые не знают, quand on a déménagé d'ici au local, ou à la bâtisse où on a acheté, когда мы отсюда ушли и перешли в то здание, которое мы купили, on n'avait pas d'argent. У нас не было денег. On n'avait pas la capacité, nous, de faire ça. У нас не было именно возможности просто осилить это. Mais le Seigneur nous a dirigés. Но Бог повел нас. Puis on l'a fait. И мы сделали. Et là, pendant plusieurs mois, et, знаете, в течение многих месяцев, on payait le loyer ici et l'hypothèque là-bas. Мы платили аренду там и мы платили аренду здесь. Et puis les gens de l'église étaient inquiets. И люди церкви беспокоились. Parce que les finances n'étaient pas là. Потому что, ну, у нас не было этих финансов, как бы, не было у нас много финансов. Mais Dieu a toujours pourvu. Но Бог всегда восполнял. Et quand votre pasteur est venu avec son équipe pour visiter la place, pendant qu'ils discutaient ensemble, à savoir s'ils prenaient le pot de foi pour prendre la place ou pas, moi j'étais assis ici, comme ça. J'attendais. Et pendant que j'attendais, l'Esprit m'a parlé. Puis une des choses que l'Esprit m'a dit, c'est que tu vas payer la moitié du loyer. Puis on a fait ça pendant 6 mois. Puis en plus, tu vas donner les chaises. Et puis moi, j'ai attendu qu'ils prennent leur décision. Parce que je voulais rien influencer. Je voulais que ça vienne de Dieu. Donc, j'ai attendu. Et quand ils sont venus voir, puis on dit, OK, on le prend. Je voici ce qu'on va faire. On va vous payer la moitié du loyer pendant les 6 premiers mois. Puis on va vous donner les chances que vous avez besoin. Et là, je suis retourné à l'église. Là, j'ai dit au comité de l'église, bonne nouvelle. Dieu a envoyé une église pour prendre l'autre local. C'est eux qui vont prendre charge du loyer. On va être libérés. Mais j'ai une autre bonne nouvelle. Là, le comité était excité. Il voyait la libération dans les finances. Je dis, en plus d'avoir une autre église, on va pouvoir semer pendant 6 mois. On va payer la moitié du loyer. Et je me rappelle, les gens du comité m'ont regardé. Puis ils ont dit, on va prier là-dessus. Non, j'ai déjà dit. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Mais je remercie Seigneur. Parce que les gens à notre église sont aussi fous que moi. Что люди нашей церкви не так же сумасшедшие, как и я. И он говорит, окей, он фе. Они сказали, вот, мы сделаем. Puis Dieu nous a béni. И Бог благословил нас. Puis voyez-vous, aujourd'hui, la bâtisse, видите, сегодня наше здание, avant la pandémie, до пандемии, on nous a offert au-dessus de 5,3 millions de dollars pour нам предлагали больше, чем 5,3 миллионов долларов. Et nous, on a payé juste 500 000. А мы только купили его за 500 тысяч. Ça, c'est Dieu. Et ta Bog. Mais ça, c'est la foi. Non, et ta vera. Est-ce que vous comprenez? Vous понимаете? Et ce matin, je suis ici pour compléter ce qui manque à votre foi. И сегодня я здесь, чтобы вы дополнить то, чего не достает вашей веры. Amen. Amen. Combien de qui savent que Dieu a beaucoup plus pour nous que ce qu'on voit de nos yeux? Кто из вас знает, что у Бога намного больше, чем то, что мы видим? Vous savez, quand Dieu a béni Abraham, знаете, когда Бог благословил Авраама, il a demandé de regarder vers le ciel. Он сказал ему посмотри на небо. Et si vous prenez attention, vous allez lire comme il faut dans le livre de la Genèse. Et si vous passez attention, vous allez pratiquer comme следует в книге Бытие.
Vous allez voir que Dieu dit pas Abraham, je vais te multiplier comme les étoiles que tu vois. Вы увидите, что Бог не говорит ему, что я тебя умножу как звёзды, которые ты видишь. Mais il dit comme les étoiles du ciel. Он говорит, но как звёзды неба. Puis aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus d'étoiles qu'on ne voit pas que celles qu'on voit. И сегодня наука показывает, что есть больше звёзд, которых мы не видим, чем те, которых мы видим. Et c'est la même chose pour нous aujourd'hui. И это то же самое для нас сегодня. Dieu veut pas te bénir avec ce que tu vois. Бог не хочет благословить тебя тем, что ты видишь. Mais avec tout ce que tu vois pas. Но тем, что ты не видишь. Et la vraie bénédiction n'est pas dans ce que tu vois aujourd'hui. И настоящее благословение не в том, что ты видишь сегодня. Et dans tout ce que tu ne vois pas encore. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Вот почему Слово Божье говорит нам, что мы ходим не видением, но верою. Parce que si on marchait par la vue, on abandonnerait. Потому что если мы ходили видением, мы бы давно уже все оставили. Mais parce que je marche par la foi. Но потому что я верую. La foi en Jésus-Christ. Вера в Иисуса Христа. Je suis capable d'avancer même là où les gens disent c'est impossible. Я могу идти даже там, где люди говорят, что это невозможно. Je suis capable de déclarer la vie là où d'autres ont déclaré la mort. Я могу провозглашать жизнь там, где другие говорили, что тут смерть. La prospérité où d'autres ont vu un désert. Там, где я могу говорить о процветании, там, где другие видят засуха. Parce que ça c'est l'autorité que toi et moi on a en Jésus-Christ. Потому что это ту власть, которую Бог дал тебе во имя во Христе Иисусе. Est-ce que tu crois ça ce matin? Tu veux jeter сегодня утро? Gloire à Jésus. Слава Иисусу. Дайте Богу славу. Gloire à Jésus. Слава Иисусу. Dans Romains au chapitre 10, le verset 17. Послание Римлянам, 10 главу, 6-17. Ça dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Написано, что вера от слышания и слышание от слова Христа. Est-ce que tu crois dans ce que Jésus a dit? Веришь в том, что сказал Иисус? Ça, c'est une question. Это вопрос вообще-то. Est-ce que tu crois dans ce que Jésus a dit? Веришь ты в то, что Иисус сказал? Est-ce que tu sais que dans le livre de Jean, au chapitre 17, знаешь ты, что в книге Иоанна, в 17 главе, Jésus a prié pour toi. Иисус молился за тебя. Parce qu'il a dit au Père, je prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui vont croire dans leur message. Потому что он сказал, Отец, я молюсь не только за них, но также за тех, которые уверуют по их словам. Et une des choses qu'il dit, одна из вещей, которую он говорит, il dit, la gloire que tu m'as donnée, славу, которую ты дал мне, je leur ai donnée. Я им дал. La gloire que tu m'as donnée, славу, которую ты дал мне, je leur ai donnée. Я им дал. Ça veut dire que tu as en toi la gloire de Dieu. Значит, в тебе есть слава Божья. OK, Seigneur. OK, Господи. Ouvre leur esprit maintenant. Открой их дух. Ouvre leurs yeux. Открой их глаза. Permets-leur de recevoir ta parole. Чтобы они могли принять слово, твое слово сегодня, в это утро. Je veux que tu comprennes une chose. Я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Tu as la gloire de Dieu en toi aujourd'hui. В тебе есть слава Божья сегодня. Vous savez, знаете, les gens prennent un passage dans l'Ancien Testament. Люди берут один стих в Ветхом Завете. Ils disent, non, non, Dieu ne partage pas sa gloire avec ils personne. Ils disent, Бог свою славу ни с кем не делится. Ce passage-là, ce n'est pas ce qui ça dit. Знаете, этот стих не об этом говорится. Ça dit que Dieu ne partagera pas sa gloire avec des idoles, avec d'autres dieux. Там речь идет о том, что Бог не поделится своей славой именно с идолами, с другими богами. Mais sa gloire, il la partage. Но его слава, он делит своей славой. Avec ses enfants. Со своими детьми. Amen. Mes enfants portent mon nom. Мои дети, они носят мою фамилию. Ils portent ma gloire. Они носят мою славу. Allô? Allô? Quand mes enfants vont quelque part, когда мои дети куда-то идут, ils disent, ah, t'es la fille à Yvon Stabili. Они говорят, ah, ты дочь Yvon Stabili. Ils vont la traiter bien. Они ее хорошо воспринимают хорошо. Pourquoi? Почему? À cause du nom de son père. Из-за меня, из-за того, что она носит мою фамилию. Amen. Hey. Hey. J'ai le nom de mon père. У меня есть фамилия моего отца. Moi, j'ai le nom de mon père. У меня есть фамилия моего отца. Est-ce que tu as le nom de ton père? У тебя фамилия твоего отца? Moi, j'ai le nom de mon père céleste. У меня есть фамилия моего небесного отца. Quand je rentre à quelque part, когда куда-то иду, захожу, les démons fuient. Демоны убегают. À cause du nom de mon père. Из-за имени моего отца. C'est la même chose pour toi? Точно так же для тебя. Parce qu'on a le même père. Потому что у нас тот же самый отец. Pas la même mère, mais le même père. Не та же самая мама, но папа точно тот же самый. Amen. Amen. Est-ce que tu crois ça? Ты веришь в это? Maintenant, est-ce que tu le reçois? Теперь, принимаешь ли ты это?
Parce que tu peux croire sans recevoir. Потому что ты можешь верить, не принимая. La clé, ce n'est pas simplement de croire. Ключ не только верить. Mais c'est aussi de recevoir. Но также принимать. Un passage dans Marc 16. Откроем стих из Библии в Марка 16 главу. Le verset 17. Стих 17. Марка 16-17. Ça dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Je vais arrêter sur le mot « ceux qui auront cru ». Parce que le mot « croire » qui est écrit là, ce n'est pas simplement comme « ah oui, je te crois ». C'est un mot grec qui est écrit, qui se prononce « pisteo ». Это греческое слово, которое произносится как пистео. Qui veut dire se confier en. Что означает довериться кому-то. Avoir confiance dans. Довериться кому-то. Ça veut dire que je te crois тellement que je mets toute ma confiance en toi. Это значит, что я тебе настолько доверяю, что всю мою веру я в тебе просто вкладываю. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. И это сегодня проблема. Parce qu'on aime simplifier les choses. Потому что мы любим упрощать вещи. Les gens viennent me voir et me disent, ah, moi, je crois en Jésus. Люди приходят ко мне и говорят, я верю в Иисуса. Je crois dans la parole. Я верю в Слово. Mais tu ne mets pas ta confiance en lui. Non. Доверяешь ли ты ему? C'est là que si on n'est pas capable de dire amen, on dit ouch. Вот, именно здесь, если мы не можем говорить «Амен», мы говорим пропало. Parce qu'il y a une grande différence entre simplement croire en Jésus et mettre sa confiance en lui. Потому что есть большая разница между тем, как верить в Иисуса Христа и довериться Иисусу. C'est pour ça qu'ailleurs la parole de Dieu dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien, les démons aussi. Вот почему в другом стихе написано, что веришь ты, что Бог есть, хорошо делаешь, потому что бесы тоже веруют. Ils tremblent. И они трепещут. Est-ce que tu penses que Dieu se glorifie dans les démons? Vous dites, monsieur Bog, je honte des démons que je prasavrai, ça? Non. Niet. Est-ce que Dieu va utiliser des démons pour guérir les malades? Je Bog, vous disposez des démons pour исцелять больных? Non. Niet. Est-ce que Dieu va utiliser des démons pour chasser les démons? Bog, vous disposez des démons pour исцелять других démонов? Non. Niet. Pourtant, il croit en Dieu. Katia, они верят Богу. Hello. Hello. Là, il y a un autre passage en parole. Есть еще другой стих в Слове. Qui dit qu'il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Donc, vous devez m'aimer, là. Значит, извините, вам нужно меня любить. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ça, mais vous devez m'aimer. Vous n'êtes pas obligé de любить, что я говорю, но вы должны меня любить. C'est la Bible qui dit. La Bible говорит об этом. La différence entre nous et les démons. Разница между нами и демонов. C'est que Christ est mort pour moi. Потому что Иисус умер за меня. Et que moi, je peux mettre ma confiance en lui. Поэтому я могу положить свою надежду на него. Et quand je mets ma confiance en lui. И когда могу вкладывать свою надежду на него. C'est l'équivalent que de donner à Dieu la permission d'agir dans ma vie. Это точно так же, как если я давал Богу разрешение действовать в моей жизни. Là, il y en a qui vont dire, ouais, Dieu n'a pas besoin de permission. Другим скажут, ну как это Бог? Зачем Богу разрешение? Oui, Dieu a besoin d'une permission. Да, Богу нужно разрешение. C'est pour ça qu'il nous a donné le pouvoir de décider. Вот почему он нам дал способность принимать решения. Savez-vous que ça c'est une grande puissance que Dieu a donnée aux hommes? Знаете, это сила, это большая сила, он дал Бог дал людям. La capacité de décider. Способность принимать решения. Parce qu'avec ce pouvoir-là, потому что с этой способностью, с этой силой, j'ai la capacité de décider de faire la volonté de Dieu ou faire contre la volonté de Dieu. С этой силой, которую дал мне, я имею способность решать для себя, исполнять волю Божью или не исполнять волю Божью. Vous êtes calme, hein? Вы очень такие спокойные. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris dans ma marche avec Dieu, c'est qu'à chaque instant, je dois décider qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire la volonté de Dieu ou je vais suivre mes émotions? Allô? Allô?
Est-ce qu'il y a des émotifs dans la salle? Yes, люди, которые очень эмоциональны, тут есть. Vous savez que ça, c'est un combat. Знаете, это сражение. Les émotions sont pas mal. Знаете, эмоции, сами по себе, неплохо. Dieu nous a créés avec les émotions. Бог сотворил нас с эмоциями. Mais ce qui est pas bien, mais то, что нехорошо, c'est quand c'est les émotions qui donnent ma direction. То, что нехорошо, именно когда эмоции направляют мою жизнь. Ce qui doit donner ma direction, c'est l'Esprit de Dieu. То, что должен направлять или управлять мою жизнь, это Дух Божий. Avec la parole de Dieu. И Слово Божие. Basé sur la parole de Dieu. Именно то, что базировалось juste на Слове Божьем. Soumettant mes émotions à la parole de подчиняя Dieu. Подчиняя свои эмоции Слову Божьему. Allô? N'oubliez pas, vous devez m'aimer. Не забывайте, вам нужно меня любить. Non, et меня тоже, я с ним рядом. C'est un commandement. J'ai dit, et moi aussi, je suis à côté de lui. Oui, 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 il faut. J'en profite. C'est un commandement. Et ta заповедь. Vous n'avez pas le choix, là. У вас нет выбора. Mais vous pouvez décider le contraire. Vous можете решить, конечно, решить по-другому. Mais là, vous allez vous exposer à quelque chose avec Dieu. Но тогда у вас, наверное, что-то будет с Богом там, вы сами решите с ним. Moi, je veux que vous soyez bénis. Я хочу, чтобы вы были благословены. Donc, vous devez m'aimer. Значит, вам нужно меня любить. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais il faut comprendre. Et dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, les émotions ont une grande place. Tout est basé sur l'émotion. Comment tu ressens ça? Est-ce que toi, tu es bien là-dedans? Si tu es bien, c'est correct. Mais si tu es bien, хорошо, то слава Богу нормально. Non. Нет. Non, non, non. Нет, нет, нет. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Это не так работает. On est un enfant de Dieu. Мы дети Божьи. C'est si ça glorifie Dieu, ça va bien. Если это прославляет Бога, тогда хорошо. Pas si ça me satisfait. Но никогда это мне нравится, это удовлетворяет мою потребность. Mais si ça glorifie Dieu. Но если это прославляет Бога. Regardez bien. Смотрите внимательно. Cet été, j'ai pris un temps à part pour chercher la face de Dieu. В это лето я уединился, чтобы просто взыскать лицо Господа. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé vraiment puissamment sur quelque chose. И Дух Божий очень конкретно, очень могущественно проговорил ко мне в одну вещь, по поводу одной ситуации. En anglais. Он мне, Дух Божий дал мне два слова на английском языке. Ça l'a attiré mon attention. Это обратило мое внимание. Le premier mot était sin consciousness. Ça veut dire la conscience du péché. Первое слово это было осознание греха. Et le deuxième mot c'était godliness. Et второе слово quelque chose qui glorifie Dieu. Не. Qui est digne de Dieu. God. Godliness. Comme la sanctification. Oui. Non, святость. Saint comme Dieu est saint. Да, святость, да, святость. Святость. Et là, j'ai commencé à étudier ces deux mots-là. Non, освящение, правильно будет, освящение. Освящение. Là, j'ai étudié ces deux mots-là. Я начал изучать два слова. Pendant un mois. В течение месяца. J'ai beaucoup recherché. Я просто искал, вникал. Et voici ce que l'Esprit m'a montré. И вот то, что Дух показал мне. Nous, comme enfants de Dieu. Мы, как дети Божьи. On est souvent préoccupés par ce qui est bien et ce qui est mal. Очень часто мы заботимся о том, что хорошо и что плохо. Mais la parole de Dieu ne nous demande pas de chercher ça. Non, слово Божие не просит нам этим заниматься. La parole de Dieu nous dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Слово Божие говорит нам, будьте святы, как Отец ваш свят. Donc, la vraie question que je dois me poser, значит, c'est pas, est-ce que c'est bien ou mal? Значит, настоящий вопрос, вопрос, который я должен себе задаваться, не то, что это хорошо или плохо. Mais est-ce que ça glorifie Dieu? Non, другой, прославляет ли это Богу? Parce que j'ai vu qu'il y a des choses pour lesquelles c'était considéré bien. Потому что я увидел, что есть вещи, за которые люди считают, что это хорошо. Mais ça glorifie pas Dieu. Но это не прославляет Бога. Et moi, je suis appelé à glorifier Dieu. Но я призван прославлять Бога. Et quand tu cherches si c'est bien ou mal. Et когда ты ищешь, это хорошо или плохо. Tu cherches une raison pour te justifier dans ton choix, toi. Ты ищешь, на самом деле, причину, чтобы оправдать свой выбор. Mais quand tu cherches la sainteté. Но когда ты ищешь святость. Tu cherches la volonté de Dieu. Pas ta volonté. Et ça a changé drastiquement ma façon de voir les choses. Parce qu'il y a des choses que je sais qui sont bien. Aux yeux du monde et même légalement.
Mais ça ne glorifie pas Dieu. Et souvent aujourd'hui, on entend ça, j'ai le droit. J'ai le droit de. J'ai le droit d'avoir ça. J'ai le droit d'avoir justice. Mais je vais te dire une chose. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu as abandonné tes droits pour te soumettre à la loi de Dieu. Et celui qui te fait droit, celui qui te fait justice, c'est Dieu. Et dans la justice de Dieu, j'ai appris que je devais pardonner à ceux qui m'avaient offensé. Aimez-moi. Combien il y en a qui savent que c'est difficile de pardonner à quelqu'un qui t'a offensé ou qui t'a fait du tort avant même qu'il te demande pardon? Il ne s'est même pas excusé. Mais la Bible dit que tu dois lui pardonner. Parce que quand on regarde la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ne dit pas pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont demandé pardon. Non, ceux qui nous ont offensés. Amen. Aimez-moi. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, tu dois comprendre ce que la Bible dit. La dimension de Dieu. Parce que souvent on prend Dieu et on l'amène à notre niveau. Il me comprend. Il sait comment je suis. Dieu sait tout ce que j'ai vécu. T'as raison. C'est pour ça qu'il veut te changer. C'est pour ça qu'il fait de toi une nouvelle créature. Hein? Parce que tout ce qui était avant n'existe plus. Ça ne compte plus. Il fait une chose nouvelle avec toi. Ça veut dire que ta pensée doit être renouvelée dans sa pensée à lui. Mais trop souvent, ce n'est pas la justice de Dieu qu'on cherche. Mais on voudrait que Dieu fasse notre justice. Parce qu'on pense qu'on a le droit. Parce qu'on pense que c'est comme ça que c'est juste. Mais oubliez jamais une chose. Que Dieu, dans sa justice, il a fait mourir un innocent qui était son fils pour toi et moi. Dans la justice de Dieu, il a sacrifié quelqu'un qui était sans tache, sans faute. Pour que des pécheurs comme toi et moi soyons appelés enfants de Dieu. Donc, comprends une chose. Que dans la justice de Dieu, tu vas devoir supporter des afflictions. Souvent de façon injuste. Pour rendre témoignage de l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand je me positionne pour Dieu,
en faisant les choses de Dieu, à la façon de Dieu, que sa gloire se manifeste dans ma vie. Difficile. Sauf si je décide de soumettre ma volonté à celle de Dieu. Это трудно, конечно. Но это трудно только если я не решаю исполнить свою волю, волю Божию. Vous savez, le pouvoir de décider était donné à l'homme dans le jardin d'Éden. Знаете, способность принимать решение был отдан человеку в Эдемском саду. C'est pour ça que c'est une relation qu'on a avec Dieu. Вот именно такое отношение мы имеем с Богом. Parce que si tu n'aurais pas le pouvoir de décider, il n'y aurait pas de relation. Là. Ça serait de l'abus. Mais le Dieu qu'on sert, ce n'est pas un Dieu qui abuse de ses enfants. Non, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui притесняет ses enfants. Dieu t'aime. Dieu a déjà préparé le meilleur pour toi. Tu dois simplement décider de recevoir ce que Dieu a pour toi. Et te soumettre à sa parole. Et d'avoir de croire en Jésus dans une telle dimension que tu peux mettre en lui toute ta confiance. Поверить в Иисуса Христа в таком измерении, что ты в Него просто вкладываешь всю свою надежду, доверие. D'être capable de dire, je ne sais pas comment tu vas faire. Быть способным сказать, Бог, честно, я не знаю, как ты это будешь решать. Mais tout ce que je sais, c'est que tu vas le faire. Но то, что я знаю точно, ты это решишь. Quand la parole de Dieu dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Когда Слово Божие говорит, что все содействует ко благу детям Божьим. La Bible ne dit pas toutes choses sauf. Библия не говорит, все, кроме. Non, toutes choses. Говорит, все. Et toutes choses veut dire toutes choses. Все означает все. Est-ce que tu crois ça? Веришь ли в это? Oui. Les gens, c'est facile à croire quand ça va bien. Конечно, легко верить, когда все хорошо. Non, mais on va se le dire. Давайте так, давайте открыто поговорим. La foi, là, c'est super facile. Знаете, вера это очень просто. Quand t'es en pleine santé, когда ты здоров, quand t'as de l'argent plein quand les poches, tu as карман набит деньгами, tout va bien à la maison, все хорошо дома, tout va bien à l'église, все хорошо в церкви, là tout le monde a la foi. У всех есть вера. Ça c'est facile. Это легко. Mais quand l'épreuve commence, но когда приходит испытание, quand ça commence à être difficile, когда уже трудности приходят, des fois quand la maladie frappe, иногда когда болезнь атакует, quand les finances sont plus là, когда финансы поют романс. Quand on dirait le chaos est partout. Là, c'est difficile de se tenir devant Dieu. C'est, toute chose va concourir à mon bien. On n'est pas capable de voir. On ne peut même pas comprendre comment. Je veux juste que tu saches une chose ce matin. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu as simplement à croire. Parce que c'est lorsqu'on se tient sur la parole que les choses arrivent. Et aujourd'hui, tu peux te réveiller dans les ténèbres. Et si vous n'êtes pas juste prasnou, ça va... Mais quand tu finis ta journée, tu es couché dans un lit avec des draps en soie, puis c'est toi qui diriges tout. Et là, juste un peu non. Prenez Joseph. Un matin, il s'est réveillé en prison. Et le soir, il était deuxième après Pharaon. Et viens sur Rome, on voulait que tu l'avais composé Pharaon. Vous savez, знаете, on voit souvent la gloire, mais on ne connaît pas l'histoire. Мы часто видим славу, но мы не знаем историю, которая за этим стоит. Quand tu vois quelqu'un, ça a l'air glorieux. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, oh, wow! Il y a une histoire en arrière. Non, за этим есть история. Et dans cette histoire-là, il veut une histoire. Il y a des déserts. Есть пустыни. Il y a des fournaises. Есть печи. Il y a des déceptions. Есть разочарование. Il y a des abandons. Есть
Il y a des rejets. Есть отвержение. Mais il y a une chose qui demeure. Но есть одна вещь, которая остается. Il y a la foi. Есть вера. Puis il y a Dieu. И Бог. Qui dit, je ne te délaisserai pas, который, je ne t'abandonnerai который, pas. Который говорит, я никогда не оставлю и не покину тебя. Souvent, on ne comprend pas. Иногда мы не понимаем. Часто мы не понимаем. Mais le fait que je ne comprenne pas. Но тот факт, что я не понимаю. Ne veut pas dire que la Bible n'est pas vraie. Не означает, что Библия не права. Ça veut juste dire que je ne comprends pas. Это просто означает, что я не понимаю. Seigneur, instruis-moi. Боже, научи меня. Et crois. И верь. La Bible dit, c'est dans le psaume 60, avec Dieu nous ferons des exploits. Библия говорит нам, что с Богом. Psaume 60, verset 14. Psalm 60, stich 14. 60, 59, comme n'est-ce pas? J'ai oublié. 60, verset 14. 60, verset 14. Ça dit, avec, non, ça, vous n'avez pas ça? Ici, ouais. Ça dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. С Богом, у нас будет победа, мы восторжествуем над нашими врагами. Puis ce matin, ton ennemi peut être plein de choses. Si vous avez autre, ton враг, это может быть что угодно. Ça peut être la maladie. Это может быть болезнь. Ça peut être les finances. Может быть финансы. Ça peut être ton emploi. Может быть твоя работа. Ça peut être la personne à côté de toi. Может быть, человек рядом с тобой, но не я шучу. C'est peut-être le pasteur ce matin. Может быть, пастор в это утро. Mais tu sais quoi? Ну знаешь что? Avec Dieu. С Богом. On fait des exploits. Мы победим. Et Dieu. Il écrase la maladie. И Бог, он просто наступает над болезнью. Dieu écrase la pauvreté. Бог, он просто écrasé. Он как протаптывает болезнь. Топчет болезнь, да. Топчет болезнь, да. Dieu est plus grand que tes doutes ce matin. Бог намного больше, чем твои сомнения в это утро. Et tout ce que tu as à faire, c'est de tourner vers lui de и tout ton cœur. И все, что тебе нужно делать, просто повернуться к нему. С полной надеждой. Est-ce que tu es capable de regarder quelqu'un et dire Dieu m'aime? Можете на кого-то посмотреть, на кого-то рядом и сказать, Бог любит меня. Посмотри на кого-то, скажи, Бог hey, любит меня. Dites-le, Dieu m'aime. Скажи ему, Бог любит меня, Dieu m'aime. Скажи своему ближнему, повернись к нему, говори, Бог любит меня, не тебя, меня Бог любит. Давид, Бог любит меня. О, non, 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 non. Пастор Иван, Dieu m'aime. Ben oui, Dieu m'aime aussi. Amen. Mais voyons, faut dire. Nous говорим. Faut déclarer ces choses-là. Провозглашай эти вещи. Dieu m'aime. Бог любит меня. Dieu m'aime. Бог любит меня. Меня, меня. Да. Vous savez, c'est très facile pour nous de dire à quelqu'un Dieu t'aime. Знаете, легко для нас сказать Бог любит тебя. Кому-то сказать. Mais que c'est donc difficile de déclarer que Dieu m'aime. Но настолько это сложно сказать Бог любит меня. Hey. Hey! Dieu m'aime. Бог любит меня. Oui, même il t'aime, il nous aime. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous savez quoi? Знаете что? Il y a peut-être 3-4 ans. Где-то 3-4 года назад. J'étais dans une réunion de pasteurs. C'est moi qui amenais la parole dans la conférence. Я был на каком-то пасторском собрании, конференции, именно я проповедовал. C'était en Ontario. Это было в Онтарио. Il y avait des centaines de pasteurs. Были где-то сотни пасторов. Je leur ai demandé de faire ça. Я к ним обратился, сказал, дорогие пастора, говорите, ça m'oblige, что Бог любит меня, пастора Манго. Mais j'ai commencé par leur dire, allez voir quelqu'un, dites-lui, Jésus t'aime. Я попросил, как я начал, говорит, встаньте, подойдите к кому-то, говорите ему, Бог любит, Иисус любит тебя. Et spontanément, ils se sont levés. Le grand sourire. Et puis ils allaient vers les autres. Jésus t'aime. Et c'était facile. Et vu la prosta. Là, j'aurais dit, maintenant, retournez vers les mêmes gens et dites-leur Jésus m'aime. Et après, ils disaient, Jésus любит меня. Je vous dis, des centaines de pasteurs. Il y avait сотни пасторов. Ils étaient tous. Là, il était timide. Они немножко. Jésus m'aime. Jésus любит меня. Non, non. Jésus m'aime. Нет, Иисус любит меня.
Moi, je sais qu'il m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Puis parce qu'il m'aime, il intercède pour moi auprès du Père. Et il y a une chose que je sais, c'est que le Père ne peut rien refuser au Fils. Si Jésus prie pour toi, c'est sûr que le Père exauce. Si tu te présentes devant le Père au nom de Jésus, c'est sûr que le Père exauce. Si tu cries au Père par Jésus, c'est sûr que le Père te secourt. Parce qu'il t'aime. Et Jésus a prié cette prière-là au Père. Il dit, moi en eux. Puis eux en moi. On fait un. Comme toi et moi, on fait un. Et il dit, le monde doit voir que tu les aimes. Le monde doit voir que Dieu t'aime. Et comment les gens vont voir que Dieu t'aime? Par la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Puis il y a des jeunes qui sont assis là. Dieu vous aime. Puis Dieu, il y a un futur pour vous autres. Et le futur que Dieu a pour vous, c'est un futur de réussite et de succès. Dieu a mis dans vous autres des rêves. Moi, je veux dire une chose aux jeunes. Rêvez grand. Et laissez pas vos parents tuer vos rêves. Parce que là, les parents, on va dire les vraies choses. Il n'y a pas mieux que les parents pour tuer les rêves des enfants. On dit quoi? Arrête de rêver, va travailler. Non, rêve. Parce que si le rêve qui est en toi, il est tellement grand que tu ne peux pas le faire, c'est parce qu'il vient de Dieu. Si le rêve qui est en toi, tout le monde te dit que c'est impossible, c'est parce qu'il vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là. Et Dieu veut se glorifier dans toi. Maintenant, peut-être que tu es un parent. Rêve toi aussi. Pas des petits rêves. Des grands rêves. Parce que ce n'est pas des petites choses qui glorifient Dieu. C'est des grandes choses. Parce qu'on sert un grand Dieu. Il faut que ce soit impossible pour toi de le faire. Parce que quand c'est impossible pour toi de le faire, c'est certain que c'est Dieu qui le fait. Amen. Comprenez ça. Vous savez, quand on a acheté la bâtisse là-bas, toute l'église est en arrière de moi. Tout le monde était motivé. Moi, je les amenais des messages comme je fais avec vous aujourd'hui. Puis là, quand ça a pris 2 mois, là, ça a commencé à être long. Hein? Là, les gens commençaient à dire, pasteur, est-ce que tu es certain que c'est Dieu? Et lui, il dit, pasteur, non, ouvert les t-shirts à touch de Bulbog. On y va. Après 3 mois. Le pasteur, peut-être c'est plus Dieu. Pasteur, moi je touche, moi je vais t'étonner Bog. Après 4 mois. Ouais, là c'est trop grand. Après 5 mois, ça c'est trop cher. On n'a jamais les moyens. Après 6 mois, il restait seulement que 2 personnes à côté de moi. Pas dans l'église. Mais qui restait à côté de moi et qui croyait dans la vision, il en restait juste 2. Là, toutes les autres gardaient le silence. Là, il y en a qui disaient, le pasteur va se planter. Eh, pasteur, si on pas parle ça. Oh, ça va faire mal. Eh, как позор, как больно будет. Mais au 7e mois. Au 7e mois. Dieu a agi. Wow, Бог воздействовал. Dieu a ouvert une porte. Бог открыл дверь. Qu'on voyait même pas. Которую мы даже не видели. Et tout d'un coup. И в одно мгновение. On est devenus les propriétaires. Мы стали хозяевами.
Mais là, il fallait payer les deux places. Значит, нужно же было оплачивать и там. Mais là, dans ceux qui restaient. И в то, что оставалось. Она говорила, le pasteur, il est fou. Значит, некоторые из тех, которые остались верующие в церкви, некоторые говорили, пастор, он сумасшедший, невозможно, и здесь оплачивать, и там оплачивать. Puis là, il y en a qui ont eu peur que je leur demande de l'argent. И некоторые начали бояться, чтобы я у них просил деньги. Je sais qu'il n'y a pas ça ici. Là. Я знаю, что здесь этого нет у вас. Mais nous autres, il y en avait. У нас в церкви, да, у вас тут такого нет. Ils ont quitté l'église. Они ушли из церкви. Il y a même quelqu'un qui est venu me voir. Il disait, tu sais que je pourrais te faire un don qui paierait tout ça. On peut comme il говорит, ты знаешь, я мог бы пожертвовать вот такой сумму, которую мы все за это заплатим. Je dis, moi, je t'ai rien demandé. А пастор говорит ему, а я у тебя ничего не просил. La personne m'a dit, ouais, mais tu sais que j'ai les moyens de le faire. И тот человек говорит мне, да, я понимаю, ты не просишь ничего, но ты же знаешь, что у меня есть, я могу это сделать, ты знаешь, что я это могу сделать. Je dis, mon ami, ça c'est ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Я сказал ему, друг мой, это твои деньги. Что хочешь с этими деньгами, то и делай. Mais, la personne dit, mais moi, je, parce que je ne crois pas que c'est Dieu. Я говорю, ну, я бы, но просто я не верю, что это Бог. Mais je dis, péris avec ton argent. Я сказал, ну, тогда сдохни с твоими деньгами. Так и сказали, я перевел. Quand, après quelques années là, les gens ont commencé à voir tout ce qu'on a fait. Vous savez, jusqu'à maintenant, on a mis à peu près un demi-million de dollars zéro dette. Et comme je vous ai dit, on a eu une offre de plus de 5,3 millions de dollars pour acheter. Maintenant, ces mêmes personnes-là qui disaient que ce n'était pas de Dieu, que le pasteur avait une trop grande vision, il voyait trop grand, qu'il était fou. Aujourd'hui, ils disent, wow, ça c'est un homme de foi. Un vrai visionnaire. Des tueurs de rêves, il y en a beaucoup. Il y en a dans l'église. Il y en a dans nos familles. Mais laissez personne tuer le rêve que Dieu met en vous. Non, ne pas vol, ni kamo ou bit, mais tout, quand tu es beau, par la gilet de tibé. Est la foi. Il m'y est vero. Que peut-être tu ne sais pas comment. Moi, je me dis, n'est-ce pas? Mais que Dieu va faire en son temps. Bog, svayo vremia, zilait. Puis les plus vieux. Les plus vieux. Non, tu sais, quand tu es pas beau, non. Beau les starchi. Qui avaient laissé vos rêves de côté. Quand tu es où j'ai saï mechti, où j'ai astavé les saï mechti. Reprenez-les. Apiat, n'a t'y mechtat. Par son temps encore là. Abraham avait 100 ans quand il y a eu Isaac. Abraham a eu la stolette quand Isaac родился. Il l'a attendu toute sa vie. On ждал всю жизнь. Sarah, 99 ans quand Dieu dit tu vois un enfant. Sarah, 99 лет, когда получила слово. Si on regarde une femme de 99 ans, on dit comment elle peut faire ça? Если бы мы посмотрели на женщину, которой 99 лет, мы бы сказали точно все пропало. Seigneur, je veux, là, mais... Mais... Non... Le vase est un peu... Un peu usé, oui. Mais Dieu a fait. Non, pas usé, là. Dieu peut faire pour toi en une journée ce qui va te prendre 10 ans à faire. Pas simplement dans les choses spirituelles. Dans ta famille. Dans tes affaires. Dans tes finances. Dans ton travail. Dans l'église. Peu importe ce qui est devant toi. Le Dieu qu'on sert a une grande vision pour toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire et recevoir. Vous savez que notre foi ne sert pas à faire quelque chose. Trop souvent, on veut faire les choses par la foi. La foi ne sert pas à faire. La foi sert à recevoir. Comprenez ça?
C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui perdent leur temps à essayer de faire. Et pendant ce temps-là, ils n'ont jamais appris à recevoir. Quelqu'un qui est malade, là, puis qui reçoit la prière de la foi, qu'est-ce qu'il peut faire pour recevoir la guérison? Rien. On prie pour lui, puis il reçoit. Quand tu vas devant Dieu et que tu lui demandes pardon pour tes péchés, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Par la foi, tu reçois le pardon. Quand tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu pouvais faire pour recevoir la vie éternelle? Rien. Simplement recevoir. C'est ça la foi. La foi nous sert à recevoir ce que la grâce a déjà fait pour toi et moi. Et cette grâce-là, c'est l'œuvre de la croix. Là où Jésus a payé le prix pour toi et moi. Ah, j'aurais tellement à vous dire. Parce que la croix, c'est plus que le salut. La croix, c'est plus que le salut. La croix, c'est le salut. C'est le rachat. C'est la restauration. C'est la qualification. C'est la sanctification. La croix, c'est l'autorité restaurée. C'est la relation avec Dieu restaurée. Quelle relation? La même qu'Adam avait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Je veux que tu comprennes. La croix nous a restaurés dans le même état qu'Adam était dans le jardin d'Éden. Christ восстановил нас в том же состоянии, которое Адам находился в Эдемском саду перед грехопадением. Ça veut dire que c'est moi qui ai l'autorité sur les circonstances. Власть над обстоятельствами. Pas les circonstances sur moi. Не обстоятельства надо мною. C'est moi qui décide. Я решаю. Voilà, comment tu fais pour décider ça? Comment je décide, как? Qu'est-ce qu'un roi fait? Что делает царь? Il décrète. Он издает. Il ordonne les choses. Он приказывает вещам. Comment on fait? Как это происходит? On déclare la parole de Dieu. Мы провозглашаем слово Божие. Tu as des gens dans ta famille ou tu as tes enfants qui ne sont pas au Seigneur encore? Qu'est-ce que la Bible dit? Crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé, toi et ta famille. Seigneur, tu me dis que si je m'engageais avec toi, ma famille serait sauvée. Moi, je déclare qu'ils sont sauvés. Vous savez, l'année passée, mon beau-père est décédé. Mon beau-père n'a jamais voulu entendre parler de Jésus. Une fois par année, il me posait une question. Puis c'est la vérité. Là. Une fois par année, il me posait une question sur Dieu. La dernière question qu'il m'a posée avant de mourir, j'étais assis chez lui dans le salon. Ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on faisait. Puis il me dit ça comme ça. Ça ne marche pas ton affaire. De quoi vous parlez? Il dit ton affaire là, que c'est juste par Jésus qu'on va au ciel. Ça ne marche pas. Ah non, ni работает. Ah, je te dis, Seigneur. Oh, okay, pourquoi ça ne marche pas? Les Indiens ici, là, qui sont tous morts avant que les Blancs arrivent pour leur parler de Jésus. Ça veut dire qu'ils sont tous en enfer. Ah, je dis, non. Je dis, c'est pas un problème, eux autres.
La Bible en parle de ces gens-là. Elle dit qu'ils vont être jugés par leur conscience. Selon le bien et le mal qu'ils ont fait. Parce que les autres, ils ne savaient pas. J'ai le problème, ce n'est pas eux. C'est les gens comme vous. Qui en ont entendu parler et qui n'en veulent pas. Quand je suis allé. La Bible dit qu'il ne reste rien pour vous sauf l'enfer. Ça l'a arrêté là. Vous savez quoi? Il a donné sa vie à Jésus. On a donné sa vie à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ça va, Jésus. Puis ma belle-mère. Vous êtes belle-mère. Tu es Shemaya? Elle. Anna. Oh Seigneur. Господи. Si elle venait chez nous et on priait, je pense que celle aurait pu me tirer, elle l'aurait fait. Maintenant, elle est à l'église à tous les dimanches. Elle est impliquée dans tout ce qu'on fait. Ma femme, même ma femme est surprise. Elle est contente. Elle dit ça, c'est un miracle de Dieu. Elle a une Bible, elle lit sa Bible à tous les jours. Bible, elle a une Bible quand je dis. Elle vient à l'église, elle donne à l'offrande. Tout ce qu'il y a à faire, elle fait. On n'y a jamais demandé. On a juste prié. C'est elle un matin qui s'est levée. Elle dit, je vais à l'église aujourd'hui. Depuis ce temps-là, elle vient toujours. C'est là, c'est crois au Seigneur Jésus. Verve Gospel Jesus Christ. Tu vas être sauvé toi et ta famille. C'est pas ce que tu vois de tes yeux qui compte. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand l'année passée, le médecin, quand j'étais à l'hôpital, puis que le médecin m'a dit, tu vas être pris comme ça toute ta vie. J'ai eu des gros problèmes à l'estomac. J'étais assis dans ma chaise dans la chambre d'hôpital. J'ai dit au médecin, ça c'est ce que toi tu dis. On va voir ce que Dieu dit maintenant. Et un mois après, il n'y avait plus rien. Aucune trace de rien. Au point que le deuxième médecin qui a fait le test pensait que quelqu'un lui faisait une blague. Quand j'ai retourné voir mon médecin, mon médecin est meilleur que toi. Comprenez ça. Quand j'étais malade, il y a des gens qui m'appelaient et qui disaient, comment ça va? Je leur disais pas, ah, Dieu va faire. Non, ça va bien. C'est juste que mon corps ne le sait pas encore. Mais ça va bien. Parce que par ses meurtrissures, il m'a guéri. Pas il va me guérir. Mais c'est déjà fait. Tout ce que j'avais à faire, c'était de le déclarer dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la foi. Ça sert à ça. C'est ça quand la Bible dit on ne marche pas par la vue. Je m'accorde avec la parole de Dieu et je la déclare dans ma vie. Quand on a un problème avec les finances, je n'ai pas besoin d'aller cogner partout. Est-ce que tu peux me donner? Est-ce que tu peux m'aider? La Bible dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, tu vois ce que j'ai besoin? Agis. Dieu agit. Cette année, Dieu nous ouvre une porte incroyable pour être à la télévision. Télévision satellite. Sputnik avait télévision. Télévision sur le web. Internet et télévision toujours. Puis on s'est équipé. Et on a su abaroudavani. Nous-mêmes, nous jouons abaroudavani. Les caméras, les ordinateurs, tout ce que ça prend. Computer, tout ce que nous jouons.
Et là, la technique est venue voir, elle dit, pasteur, ça prend un ordinateur, il coûte 12 000 $ Et тогда люди, как ну, наши как, операторы пришли, и ко мне, пастор, ну все, как бы есть много всего, но нам нужен компьютер, он стоит 12 тысяч долларов. Je pars faire, on va prier. Я сказал, ну хорошо, помолимся. Le Seigneur, Господь, tu vois le besoin? Ты видишь нужду? Amène l'argent. Принеси деньги. Amen. Amen. Mais regardez. Они не посмотрели. Mais on va-tu jeûner? On va-tu... Может быть, попастим ça? Ну, как-то объявим пост. Amen. Jeûne si tu veux. Moi, je vais manger. Le dimanche d'après, quelqu'un vient à l'église. Demande à me voir. Puis la personne dit, j'ai reçu un héritage. Et Dieu nous a mis à cœur de faire un don à votre église. Il m'a donné un chèque de 12 000 $ On me donne un chèque de 12 000 $ Ça, c'est mon Dieu. Et t'as mon Bog. Je ne sais pas si c'est le tien. Я не знаю, c'est твой такой тоже. Mais ça, c'est le mien. Он так вот мой какой. C'est pas comme ça parce que je suis bon. Это не потому, что я какой-то хороший. C'est pas comme ça parce que je suis pasteur. Не потому, что я пастор. C'est comme ça parce que je crois. Не это потому, что я верю. Est-ce que tu crois? Веришь ли ты? Parce que c'est ça, être enfant de Dieu. Вот что означает быть Божьим ребенком. Ce qui est à mon père, c'est à moi. То, что принадлежит моему отцу, принадлежит мне. Ceux qui ont des enfants, vous savez de quoi je parle. Те, у которых есть дети, вы знаете, о чем я говорю. Moi, on a une piscine chez nous. Знаете, у нас дома есть бассейн. Quand mes enfants invitent des amis à se baigner, ils disent pas, viens-tu te baigner dans la piscine à mon père? Когда дети приглашают своих друзей купаться в нашей бассейне, они говорят. Кошти прийти к нам купаться в бассейне нашего отца. Viens-tu dans ma piscine? Они говорят, приходи на нашу бассейн. Я jamais payé pour la piscine. Он никогда не заплатил. Мой ребенок никогда не заплатил за эту бассейн. C'est moi qui ai payé pour ça. Я заплатил. Viens-tu dans ma piscine? Он говорит, приходи, купаться в моей бассейн. Quand il regarde nos véhicules, il dit pas ça c'est le véhicule à mon père. Когда смотрит на наши машины, он говорит, это не машина моего отца. Ça c'est mon véhicule. Говорит, это моя машина. J'écoutais mon fils parler. Moi, j'aime faire le quatre roues, le quad. Il y a le blue dilat, quelque part. Quadracycle. J'écoutais mon fils parler. Il dit, non, on a des quatre roues. Et il y a ce moi aussi, on a un six quadracycle. Non, c'était matacycle. Non, c'était calos. Quadracycle. Tu m'en, ils sont tous à mon nom. Il y a un beau, j'ai moyen. J'ai fait une mine de piste. C'est moi qui paye les plaques. Il y a plaque за номера, как страховку, там за газ, бензин. Puis il dit, on a des quatre roues. Et on говорит, у нас есть квадроцикл. Mes filles invitent quelqu'un dans ma maison. Мои дочери, они кого-то приглашают в моем доме. Il dit, tu es chez nous. Он говорит, приезжаешь к нам? C'est moi qui paye l'hypothèque. Вот сейчас chez nous, когда в Québec, говорят, так ко мне, у них такое, chez nous, так ко мне. Вот, такое выражение любят. Ко мне, приезжаешь ко мне? Est-ce que vos enfants font ça? Ваши дети так делают тоже? Quand ils fouillent dans le frigidaire, ils disent pas. Знаете, когда они открывают холодильник, они не говорят. C'est la nourriture, c'est pour tout le monde, hein? Конечно, это еда для всех. Ils disent pas, je vais manger le steak à mon père. On говорит, я поем стейк, папин стейк. Non, non, c'est à lui. On говорит, нет, это его, это его. C'est la même chose avec notre Père Céleste. Точно так же с нашим небесным отцом. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Вот почему Библия говорит, что мы сонаследники Христа. Tout ce que le Père a donné à Jésus. Все, что отец дал Иисусу. Tout ce que le Père a donné à Jésus. Все, что отец дал Иисусу. Il te l'a donné à toi aussi. Он дал тебе также. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, voyez. Вот почему Библия говорит. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Смотрите, какой любовью Бог возлюбил нас, чтобы называться детьми Божьими, и мы ими являемся. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Des fois, je vais dans des églises. Иногда я бываю в других церквях. Les gens font la louange. Люди прославляют. Puis ils vont émotionnels. И знаете, они такие эмоциональные. Font des prières émotionnelles, les они gens. Они молятся, просто эмоциональные молитвы. Oh Seigneur, oh Господь, je suis un pécheur. Я такой грешник. Sauvé par grâce. Спасенный по благодати. Je vais dire une chose. Я тебе скажу одну. Si tu es un pécheur, если ты грешник, t'es pas sauvé. Ты не спасен. Ça a l'air beau.
Ça fait très religieux. Religieuse dans Mais c'est pas biblique. Non, pas biblique. Dieu il sauve des pécheurs. Бог спасает грешников. Puis en fait des enfants de Dieu. Он из них делает детьми своими. Si t'es encore un pécheur. Если ты еще грешник. T'as un problème. У тебя проблема. T'es pas sauvé. Ты не спасен, значит. J'ai pas dit si tu faisais un péché. Я не сказал, если ты согрешил. J'ai dit si t'étais un pécheur. Я сказал, если ты грешник. Il y a une différence. Есть разница. Un pécheur c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Грешник это тот, который живет в грехе. Un chrétien. Christianin, c'est un enfant de Dieu qui va commettre des péchés. Et un Божий ребенок, который будет грешить. Ça veut dire qu'il va faire des erreurs. Он будет ошибаться. Hein, des fois, il va manquer d'amour envers le pasteur. Иногда ему не будет доставать любви к пастору. Mais quand il demande pardon, Dieu pardonne. Но когда он просит прощения, Бог прощает. Pasteur aussi. Пастор тоже. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Confessez pas des choses comme ça. Confessez pas que vous êtes pécheur, sauvé par grâce. Не, не, не. Вы не то, что грешник, там спасен по благодати, не. J'étais un pécheur. Я был грешником. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Но Библия говорит, что сегодня я Божьим ребенком. Я являюсь Божьим ребенком. Et quand je vais quelque part, и когда я иду куда-то, je me présente comme un enfant de Dieu. Я представляю себя как Божьим ребенком. Et quand je suis ici devant vous, je suis ici comme un enfant de Dieu. И когда я здесь перед вами, я Божий сын. Je sais qui est mon père. И я знаю, кто мой отец. Je sais ce qu'il m'a donné. Я знаю, что он дал мне. Je sais ce qu'il a mis en moi. Знаю, что он положил внутри меня. Puis ce matin, ce qu'il a mis en moi, il veut que je vous le donne. И сегодня то, что он вложил во мне, я это вам дал. Pour que vous puissiez comprendre que vous êtes appelé à vivre une vie de victoire. Je veux vous prendre, что вы призваны жить победоносной жизнью. Dieu t'appelle pas être dans la défaite. Бог не призывает тебя быть в поражении. Dieu t'appelle pas être dans la pauvreté. В нищете. Dieu t'appelle pas être dépressif. В депрессии. Dieu t'appelle à vivre une vie abondante en lui. Бог призывает тебя жить justice быть comme в нём. Quand je parle d'abondance, je parle pas d'argent. Когда говорю избыток, когда говорю о финансах. L'argent est là. Деньги, конечно, в том числе там. Mais je parle de la paix, de я la говорю, joie, мир, радость, la puissance, сила, l'autorité, власть. Ça, faut que ça soit d'une façon abondante dans chacune de nos vies. Все это должно быть внутри нас, внутри каждого из нас. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Потому что мы дети Божьи. C'est pas l'atmosphère qui m'influence. Не атмосфера влияет на меня. Mais c'est moi qui influence l'atmosphère. Я влияю на атмосферу. À cause de Christ en moi. Из-за Христа, Иисуса, который во мне. Amen. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Мы можем славить Бога. Alléluia. Gloire à Jésus. Slava Jésus. C'était pas mon message de ce matin. C'était pas ce que j'avais préparé en tout cas. Mais j'aime mieux avoir le message de Dieu que le mien. Gloire à Jésus. Slava Jésus. Je vais juste terminer avec ceci. À la fin du verset 1, du verset 20 dans Romains 10. Римлянам 10 глава, 10 последний полустих. Romains 10 verset 20. Римлянам 10 стих 20 стих, но именно последний полустих. Ça dit, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Ça dit Isaïe pousse à dire. Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим у меня. И ça, c'est nous. Это мы. Ça, c'est nous. Это мы. Et Dieu veut se manifester en toi. И Бог хочет проявиться в тебе. Il veut se manifester d'une façon puissante dans ta vie. Он хочет могущественным образом проявиться в тебе. Je vais vous demander de vous lever. Я попрошу, чтобы мы встали. Peu importe les circonstances qui sont là dans votre vie. Dieu est plus grand. Peut-être que tu as de l'inquiétude dans ton cœur. Dieu est plus grand. Est-ce que tu peux changer quelque chose avec l'inquiétude? Non, seule chose qui peut changer, c'est toi. Tu peux te ramasser avec des ulcères. Et dis, c'est ce que moi j'ai mis, c'est toi qui as dit, toi, d'arrover, toi, c'est moi j'ai déjà balayé. Mais ça ne changera rien la situation. Nous t'as mis, ils mettent situation. On est d'accord avec ça?
Oui, ça doit être une. Donc ça donne rien. Ça juste ni stoït. Mais si tu tournes vers Dieu. Pas vers nous, ça doit être. Et tu fais confiance à Dieu. Il voulait d'avérer ça beau. Tout peut changer. Sûr, moi je peux m'y mettre. Peut-être que tu as peur. Moi je vais te baisser. C'est pas mal avoir peur. C'est ni tenir plus qu'à baisser. Ce qui est mal. Tout ce plus qu'à. C'est si t'es dirigé par la peur. Et si tu vadim strachem. Il dit, je vais d'homme strachem. Si vous allez lire dans 2 Chroniques 20. Et si vous pratiquez, vous tarez par le paminum de vaste tout glavou. Vous allez voir que le roi Josaphat a eu peur. Vous voyez, c'est au tsar, il y a sa fête, pas bayal ça. Mais la Bible dit que dans sa peur, il s'est tourné vers Dieu. La Bible dit, soyons strachés, on ne peut pas nous sac bogo. Et Dieu les a délivrés. Il bog, il se bavil, il. De tous leurs ennemis. À tout siècle, il vragof. Non seulement ça. N'est-ce qu'à être. Mais en plus, pendant 3 jours, ils ont ramassé des trésors. Il vous tient les trois niais, aniprosta, pas de mal, il s'acclovish. N'a qu'à dire de s'acclovish, pas de mal, pas de mal. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es désespéré. Mais la Bible dit qu'en Jésus, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. L'amour. L'espérance est en Jésus-Christ. Et la Bible dit que quand on espère en lui, notre espérance demeure. Ça veut dire que lui ne te décevra jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des besoins qui sont devant toi que tu ne vois pas comment tu peux les rencontrer. Réjouis-toi. Dieu veut faire un miracle pour toi. La provision de Dieu est toujours là. Dieu ne t'a pas choisi pour te faire mourir de faim. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois dans la misère. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois dans la maladie. Dieu t'a choisi pour se glorifier. Dieu t'a choisi pour que le monde voit que Jésus est vivant. Dieu t'a choisi pour que Jésus est vivant. Si tu peux juste croire en lui. Assez pour mettre en lui toute ta confiance. Tu vas voir la gloire de Dieu ce matin. Tu vas voir la gloire de Dieu ce matin. Moi, j'ai manqué. La Bible dit que lui demeure fidèle. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus ne te condamne pas. Jésus. Jésus ne te rejette pas. Jésus ne t'atvergait. Il est mort pour toi. On oumer za tibia. Tu penses-tu que quelqu'un qui meurt pour toi va te rejeter à chaque fois que tu vas faire une petite faute? Dumas le tisto, tout quand tu oumer za tibia. On a tibia tkaj sa kaj za katu bosh kota malinko ashipko. Mais non, sinon il va falloir qu'il meure 1000 fois pour chacun de nous autres. Tu n'as jamais de la tis chiras ou de oumeret, ils en ast takih. Non, niet. Son amour est tellement grand. Его любовь намного настолько больше, qu'elle couvre toutes mes folies. Что покрывает все мое сумасшествие. Ça, c'est l'amour de Dieu. Это любовь Божья. Jésus m'aime. Иисус любит меня. Est-ce que Jésus t'aime? Любит ли Иисус тебя? Est-ce que tu peux recevoir ça aujourd'hui par la foi que Jésus t'aime? Верю, что Иисус любит тебя. Il t'aime tellement qu'il veut que tu réussisses. Он любит тебя настолько, что он хочет, чтобы ты успевал. Ah, Seigneur, le temps nous. Vous savez, время ограничивает нас. Moi, je crois ce que la Bible dit. Я верю тому, что говорит Библия. Et la Bible dit que sa parole ne retombe pas à lui sans avoir produit son effet. Она Библия говорит, что его слово не возвращается к нему тщетно, не совершив то, ради чего оно было послано. И voici ce que je déclare moi sur vous ce matin. Вот то, что я провозглашаю над вами сегодня в это утро. Je déclare que la parole. Я провозглашаю, чтобы слово, qui a été déclaré, relâché ici ce matin. Которое сегодня было проповедовано, высвобождено сегодня.
ne retournera pas à Dieu avant qu'elle ait produit un fruit dans ta vie. Un fruit pour la gloire de Dieu. Mais qui va rendre évident aux yeux du monde que Jésus t'aime. Je déclare ce matin que ton niveau de foi atteint le prochain step. Je veux que tu comprennes que manquer de foi, ça se peut pas. Значит, я хочу тебе понять, что невозможно иметь нехватку веры, не хвататься веры. C'est impossible que tu manques de foi. Это невозможно, чтобы вера не хватала. Parce que dans Romains 12, 3, ça dit que Dieu a donné à chacun de nous une portion de foi. Потому что в Римлянам 12, 12-13 написано, что Бог дал каждому по мере веры. Ça veut dire que Dieu, c'est lui, Dieu lui-même qui a mis en toi la portion de foi que tu as. Значит, сам Бог в тебе положил меру веры. Et lui, il ne se trompe jamais. Он не ошибается. Donc la foi qu'il a mis en toi, c'est tout ce que tu as besoin pour vivre ta vie. Значит, вера, которая в тебе, это все, что ты нуждаешься, чтобы жить твоей жизнью. Tu as besoin de la renforcer. Tu peux просто нужно ее укреплять. Tu as besoin de la faire grandir. Tu veux нужно ее, чтобы она возрастала. Tu as besoin d'apprendre à l'utiliser. Tu veux nous en outil ça à pourvoir. Mais tu n'as pas besoin de plus. Non, tu veux nous en bosser. Tu as déjà en toi tout ce que tu as besoin. Parce que tu veux où j'ai всё, в чём ты нуждаешься. Est-ce que tu peux recevoir ça ce matin? Moi, j'étais appelé сегодня. Père, maintenant dans le nom de Jésus. Отец, прямо сейчас во имя Иисуса. Comme tu as mis la foi en moi, tu l'as mis en eux. Как ты положил веру во мне, ты это положил в них. Et Seigneur, j'unis ma foi à la leur ce matin. Господь, я соединяю свою веру с их верой. Pour que le miracle que chacun a besoin puisse venir dans cette vie. Это чтобы чудо, которое они нуждаются, могут прийти в их жизни. Seigneur, maintenant par ton Saint-Esprit. Прямо сейчас твоим святым духом. Ouvre leur cœur et leur intelligence. Открой их сердца и их разум. Et tu les rends capables de recevoir cette parole aujourd'hui. Ты их способны принимать это слово сегодня. Et je viens contre tout esprit contraire à ton esprit. Я иду против всякого духа противления. Qui voudrait voler ce matin le dépôt qui est fait en eux. Который хочет украсть то семя, которое было спасено. Seigneur, que cette semence-là tombe dans une terre qui va faire des racines. Пусть это слово сегодня, как семя, попадет в такую почву, которая даст взрастки. И корни пустит. И produire un fruit à ta gloire. И будет производить плод в твою славу. Tu as fermé mes frères et mes sœurs dans la foi ce matin. Укрепи моих братьев и сестер веру сегодня. Et Seigneur, tu les bénis. И Господь благослови их. Seigneur, tu relâches ta bénédiction sur eux. Высвобождай благословение на них. Que ceux qui ont besoin d'être guéris le soient maintenant dans le nom de Jésus. Je veux dire que tu nous as visséléné, они получили исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Tu les touches dans leur corps. Коснись их в их телах. Tu les touches dans leur âme. Коснись их. Et tu guéris les cœurs brisés. И исцеляешь их сердца. Разбитые сердца. Je prie que chaque personne qui sort d'ici sorte d'une façon différente qui est rentrée. Я молюсь, чтобы каждый, кто сюда сегодня будет выходить, он вышел другим человеком, не так как он пришел, он заходил. Et qu'il puisse partir d'ici sachant qu'avec toi il va faire des exploits. Je veux vivre à Tsuda, on znal, что с тобой он совершит победоносные битвы. À cause de toi en eux. Потому что ты в нем. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Va имя Иисуса. Et si tu reçois cette prière, dis amen. Если ты получаешь эту молитву, скажи амен. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi j'aime pas peut-être Господу. Alléluia. Alléluia. En terminant, je veux juste vous dire ceci. Завершая, хочу вам сказать следующее. Oubliez pas que Jésus vous aime. Не забудьте, что Иисус любит вас. Puis moi aussi. Я тоже вас люблю. Amen. Amen. Okay. Okay. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Извините, пожалуйста, садитесь. Слава Богу. Gloire à Dieu. Спасибо большое, пастор Ивон, за слово. Grand merci, пастор Ивон, pour la parole. Хорошо. У нас есть вера или же была вера? C'est bon, nous avons la foi et nous avons eu la foi. Но хорошо, что ты пришел, как написано было там в 1 Фессалоникийцам. Et c'est bon que tu es venu comme c'est écrit dans le livre de Thessaloniciens. Чтобы укрепить нас. C'est pour nous fortifier. Открыть нам то, что мы не знаем.
de nous révéler ce que nous ne savions pas. Делиться своей жизнью. Partager de votre témoignage. Votre expérience. Слава Богу. Gloire à Dieu. Мы очень рады, очень благодарны Богу. Nous sommes très contents et nous remercions le благодарны Seigneur. Благодарны Богу, что у вас было время быть с нами. Nous remercions le Seigneur parce que vous avez eu le temps pour venir nous ôter le ministère. И как пастор. Comme pasteur. Еще раз выражаюсь перед церковью. Et j'ai encore devant l'église j'exprime. Я очень ценю. Je valorise tout d'avoir le 80 millions à casa, la confiance que vous m'avez donnée. Que le Seigneur Iva bénisse. Iva Simeon. Que bénisse votre église et votre famille. Et также то большое служение апостольское, которое ведете по миру. Et tout le grand ministère apostolique que vous accomplissez dans le monde. Que le Seigneur vous fortifie et qui puisse vous faire du bien. От нас также передать большой привет нашему генеральному секретарю. De notre part, nous vous demandons également de transmettre nos salutations. Или по нашему простому руководителю нашего объединения. Secrétaire général de notre assemblée. Amen. 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 Дайте Богу большое славу за пастора. Спасибо большое. И сейчас у нас будет время для пожертвования. Et nous allons avoir le temps de nos offrandes et de nos dîmes. Пока не жертвуйте, я хочу прочитать. Avant, ne semez pas encore, je vais lire. Matthieu, j'ai lu l'évangile de Matthieu, le chapitre 22, à partir du verset 25. À partir du verset 15. Matthieu 22, 15. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И послали к нему учеников своих с иродиадами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божьи учишь, и не заботься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qui t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Но Иисус видя лукавство их, сказал: Что искушаете меня, лицемеры? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динары. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. И говорит им: Чье это изображение и надпись? Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? Говорят ему: Кесарево. De César, lui répondit-il. Тогда говорит им: Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу. Il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Я не буду много говорить о финансах. J'ai pas beaucoup parlé de finances. Я только одну мысль покажу. Juste une pensée, je veux partager. Я тоже никогда не замечал эту мысль. Et je n'ai jamais remarqué cette pensée ici. В этих стихах. Dans ces versets. Искушает Иисус. Он en train de tenter Jésus. Я хочу увидеть следующее. J'aimerais que nous puissions regarder ce qui suit. Перед Иисусом стоят люди. Devant Jésus, il y a des gens. Которые пришли. Qui sont venus. Они хотят его уловить. Ils veulent. Ils sont en train de le tenter. Потому что они находятся под оккупацией Рима. Parce qu'ils sont sous l'occupation de Rome. Иисус говорит: Не надо давать. S'il dit de ne pas donner. Problème. C'est un problème. Скажет: Давать. S'il dit il faut donner. Toutes les religieuses disent: Вот ты подчиняешься власти Рима, то есть власти человека. Les religieux vont dire que tu es sous l'emprise de l'autorité humaine, c'est-à-dire de Rome. Но то, что я увидел здесь. Mais ce que j'ai vu ici. Просто сильно коснулось моего сердца. Ça a touché mon cœur. Все люди, которые пришли к Иисусу Христу. Tous ceux qui sont venus auprès de Jésus. Toutes ces personnes. У них не было проблемы давать Богу деньги. Ils n'avaient pas un problème de donner l'argent à Dieu. Повторяю. Je répète. У них не было проблемы
Ils n'avaient pas un problème pour donner de l'argent à Dieu. Problème, leur problème était est-ce qu'il faut donner à César ou pas? Parce qu'ils ne voulaient pas donner à César. Je répète l'idée. Pour eux, ce n'était pas un problème pour donner à Dieu. Voilà pourquoi les gens enseignent souvent. Pourquoi Jésus n'a pas... Et il y a des choses que Jésus n'a même pas parlé. Le peuple juif n'avait pas besoin de leur enseigner qu'il fallait s'aimer ou bien donner un sacrifice à Dieu. Même dans ces versets, et venant demander à Jésus, il voulait entendre que donne à César. Comme ça, il dit, comment donner à César? Nous voulons donner seulement qu'à Dieu. Jésus avait un bon problème. Par rapport à moi. Moi, j'ai besoin de vous dire qu'il faut donner à Dieu. Parce que le César lui-même, il prend ce qui lui est dû. Amen. Amen. Moi, j'ai une autre situation. Qui ne devrait pas en réalité exister. Nous sommes pour les enfants de Dieu. Et j'ai besoin d'enseigner l'église pour dire qu'il faut donner à Dieu. C'est une bonne chose d'enseigner. Et notre intelligence, notre pensée doit être que nous devons avoir envie de donner à Dieu. Jésus avait un bon problème. Les gens voulaient donner tout ce qu'ils avaient à Dieu, mais pas donner à César. Voilà pourquoi, chère Église, quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas rechercher des justifications pour ne pas faire quelque chose. Ne pas faire ceci. Il faut juste accomplir ce que la parole déclare. Amen. 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 Jésus parle de dîme. On dit, oui, d'ailleurs, c'est... Il dit que vous donnez ça, vous devez avoir un peu plus et donner. Il n'a pas refuté quand on a dit. Voilà pourquoi il nous interpelle. De notre amour par rapport à Dieu. Je veux dire la dixième partie. Et c'est ce que et c'est ce que appartient à Dieu. Et virage ne pas. C'est même pas l'expression de mon amour, c'est juste l'expression de ma fidélité envers Dieu. Et La dîme, ce n'est pas l'expression de mon amour, c'est juste nous donnons ce qui lui appartient. Et mon offrande, c'est ça qui est l'expression de mon amour. Si je prends l'exemple, je te remets ton argent, ça veut dire quoi? Je t'aime ou quoi? Je te remercie. Si je remets ton argent et te dis, bon, j'ajoute quelque chose dessus, ce qui est de dessus là, c'est pour moi, c'est moi qui te le donne. Amen. 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 Mettons-nous debout. Voilà pourquoi nous pouvons exprimer notre amour à Dieu. Sois ce genre de personne. Et que tu exprimes à Dieu ta fidélité. Et également ton amour. Ce que la dîme appartient à Dieu, ça c'est la fidélité, c'est pas l'amour. Ton amour du fait que tu partages avec lui. C'est ça ton amour. Et c'est ce que tu as maintenant que tu donnes comme offrande. Amen. Amen. Si vous préparez vos finances, si vous avez préparé vos finances, nous pouvons tenir nos dîmes, nous allons nos enveloppes. Et vous pouvez le faire également en ligne. Vous pouvez le faire également au travers d'Interact. Si vous ne savez pas le faire, il y a Constantine qui est dans la salle. Nous allons prier.
Gospel Box, спасибо тебе. Seigneur Dieu, merci. За твою присутствие в нашей жизни. Pour ta présence dans notre vie. За это слово, которое мы сегодня слышали. Pour cette parole que nous avons entendue. За твое присутствие. De ta présence. Gospel Box. Seigneur Dieu. Пришло время. Le temps est venu. Когда? Quand? Мы не только получаем. Nous ne recevons pas juste. Пришло время. C'est pris когда le temps. Когда мы можем давать. Quand nous pouvons donner. Библия говорит нам. La Bible déclare. Не только блаженные слушающие. Pas и принимающие слово. Bienheureux pas seulement ceux qui entendent la parole. Nous blagene takje. Mais bienheureux également. Dayushi. Ceux qui donnent. Blagene davat. C'est bienheureux ceux qui donnent. Poetamu gaspor bog. Voilà pourquoi. Yamalus. Je prie. Zeti finance. Pour ses finances. Zeti initiatine. Pour ses dîmes. Zeti pajertovani. Pour les offrandes. Zaprinachene. Pour ceux qui les gens. Yamalus gaspor shuti atkrival prosta okne nibesi na tvoyei tserkovi. Je prie pour que tu ouvre les écluses du ciel sur chaque. Shuti atkrival nibesa gaspor bog nad kazhim iz nas. Que tu puisse ouvrir le ciel sur chacun d'entre nous. De façon surnaturelle que les personnes soient. Et que nous ayons beaucoup plus que les besoins que nous avions. Au nom de Jésus-Christ. Que ton église puisse être riche. Que ça soit une église qui a du succès. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions. Спасибо. Merci. Je te pétiose à Nashik. Nous activons Spalniès pour toi et nous bagatons. Tu rencontres nos besoins par ta richesse et pas par nos besoins. Blaga daru tibé gaspor. Je te remercie, Seigneur. Xavier nas tevo naroda. Pour la fidélité de ton peuple. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Praya visibia. Révèle-toi. Vunashik finance. Dans nos finances. Pour tuer ça finance avec praise score. Que les miracles s'accomplissent dans les finances. Va imia Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Et parce que moi j'aime jertvat. Nous pouvons s'aimer. Vous знаете, sous état zélion, état narrative gaspor, за твою благодать. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Дорогие братья и сестры, я не могу не дать, потому что у брата Ион подошел к нему свидетельство, Давид. Je ne peux ne pas donner, j'ai le frère qui est venu ici un témoignage. Короче, да. Попытаюсь рассказать. Je voudrais juste donner un témoignage. Да, просто быстро скажу, кто не знает украинцы и так далее. Asseyez-vous, ceux qui ne savent pas, je vais le dire rapidement. Меня слышно, да? Окей, да, в детстве у меня был рак четвертой стадии. Quand j'étais enfant, j'avais le cancer quatrième phase. Потом был аппендицит. Après j'avais l'appendicite. Потом опухоль на спине. Après j'avais des enflements au niveau du goudeau. Короче, и последнее время, да, у меня спина все хуже и хуже болела. Ces derniers temps, j'avais eu beaucoup mal au dos. Потому что у меня как бы, ну, примерно гвозди или шурупы вот такого размера в спине. Parce que on m'a mis des vis dans le dos à peu près de telle dimension. И как раз пастор Иван говорил, я говорю это лично мне слово, c'est juste pour moi. Je dis que cette parole c'est justement pour moi. Потому что как раз особенно за исцеление это было как мне намек, типа я тебе лично говорю. Surtout pour la guérison, c'était juste à moi. J'ai senti qu'on parlait à moi personnellement. И когда он говорил насчет типа это то, что врач говорит, посмотрим, что мой врач скажет. Et quand il disait que c'est ce que toi tu dis en tant que médecin, mais on verra ce que mon médecin moi va dire. Я такой, окей, Господь, ты мой врач, я тебе доверяю. Может быть, у меня нет таких прям крепких отношений, как у этого вот брата. Et j'ai dit, Seigneur, oui, tu es mon Seigneur. Peut-être je n'ai pas une relation aussi profonde comme le pasteur avec toi. Но я решаю доверять тебе и твоему слову, потому что там написано, что ранами твоими я исцелился. Et je te fais confiance parce que la parole déclare que par tes merveilles je suis guéri. И я просто почувствовал, у меня обычно вот очень сильная боль на уровне поясницы. Et j'ai senti souvent, j'ai toujours mal au niveau de la ceinture. И она просто как бы вот болела, болела и исчезла. Et c'est comme s'il y avait un mal et le mal a disparu. Но это первый этап. C'est la première étape. Второй этап, я, ну, делаю шаг веры, и я просто решил засвидетельствовать, потому что это как бы закрепляет. Et le deuxième, la deuxième étape est que j'ai pris la décision de témoigner pour que je puisse renforcer ou bien retenir ce que j'ai reçu. Но второй раз я выйду свидетельствовать, когда у меня это все исчезнет в спине. Et deuxième fois, je reviendrai ici pour témoigner quand tout ça va disparaître, mon dos. Слава Богу. Gloire à Dieu.
Amen. Слава Богу, слава Богу. Amen, Gloire amen. David, пусть Бог благословит тебя. Seigneur, que David, que le Seigneur te bénisse. La parole fonctionne. Merci. La благодарность вас, Господь. Слава Богу. Gloire à Dieu. On vous invite encore. Nous vous invitons. Мы вас еще приглашаем. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Господа. Maintenant, nous devons, nous allons prier pour remercier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Спасибо за это собрание. Merci pour ce culte. Спасибо за это чудо исцеления. Merci pour ce miracle, pour cette guérison. Это то, что он почувствовал, он уже засвидетельствовал. Et c'est ce qu'il a senti, il a témoigné. Но я знаю, Господь Бог, je sais, Seigneur, что есть множество чудес, которые ты совершил сегодня. Il y a beaucoup de miracles que tu as accompli aujourd'hui. Да, Господь, ты уже совершил сегодня, Господь. Tu as déjà accompli aujourd'hui. Просто помоги нам, aide-nous, ухватиться, de prendre nos miracles. Ухватиться, Господь Бог, во имя Иисуса Христа, пусть твой народ наполнится чудесами твоими, Господь. Спасибо тебе. Merci. Господь, мы благословляем это собрание. Seigneur, nous bénissons ce culte. Благословляй каждого брата, каждую сестру. Nous bénissons chaque frère, chaque soeur. Благословляй, Господи Боже, твой народ. Nous bénissons ton peuple. И я молюсь. Et je prie. Чтобы благодать Твоя сопровождала нас. Et que ta grâce nous accompagne. Пусть любовь Отца к нам, que l'amour de Père vers nous, сохранит нас. Puisse nous protéger. И пусть то общение, которое мы имеем с Духом Святым, et que cette communion que nous avons avec le Saint-Esprit, обновляется каждый день. Se renouvelle chaque jour. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Будь прославлен и превознесен. Sois glorifié et sois élevé. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Slava Bogu. Hallelujah. Voilà.